contrôle des papiers, vérification des provenances et des destinations des cargaisons. Les derniers kilomètres avant le péage d'Écomois tournent au ralenti. Ah, il y a un quart d'heure qu'on est bloqué, mais bon, on est à tout cœur avec eux aussi. Hein. On attend, s'il faut attendre plus, on attendra plus. Depuis hier soir, plusieurs centaines d'agriculteurs se mobilisent sur les péages sartois. Objectif, bloquer tous les camions frigorifiques qui transportent de la marchandise étrangère. Italiens, Irlandais ou encore Espagnols, une vingtaine de chauffeurs prennent leur mal en patience. Je dois aller en Angleterre, mais cette nuit, ils m'ont dit de me garer là. Donc là, j'attends tranquillement. C'est clair que je les comprends, si je me mets à leur place, carrément. Ils en ont ras-le-bol à cause des politiques. Des politiques, justement, il en est question ce matin. Les agriculteurs attendent la prise de parole du Premier ministre devant le Parlement. Nous, on a surtout voulu garder ces actions locales, parce que de faire montrer aussi que sur tout le territoire français, il y a de l'inquiétude. Et si tout le monde converge vers Paris, on va seulement avoir un gros point rouge sur Paris, tandis que là, on a des points rouges sur toute la France. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, les manifestants ont déjà prévu leur future cible. Les supermarchés, on va y retourner, on va aller dans les rayons, on va différencier des produits qui trompent le consommateur en premier lieu, on va mettre ça dans des caddies, on va être gentil pour l'instant, ça va retourner en frigo. Demain, moi, je ne sais pas comment vont réagir les agriculteurs. Hein. Selon la FDSEA, ce sont entre 300 et 400 agriculteurs qui sont mobilisés en Sarthe. Le syndicat organise déjà des roulements pour tenir dans la durée.